je rentre, hein. Voilà. Pourquoi elle revient? Toi, tu te tais. Voilà. Rebonjour, madame Valérie. Je vais m'asseoir ici et je vais vous expliquer les règles. D'accord, Diana. Est-ce que tu pourrais baisser le son, s'il te plaît? Non. S'il te plaît, j'ai dit. Non. Tu baisses le son? Non. Ok, très bien. Ou tu baisses le son, ou alors tu es punie de la télé pendant une semaine. Tu peux pas me punir, t'es pas ma mère déjà. Alors, Diana, cette semaine-là, c'est moi qui vais décider, d'accord? Donc, je remplace ta mère pour les décisions familiales. Je comprends rien ce que vous dites, mais comme je m'en fiche, je m'en fiche. Très bien. Tu me donnes cette télécommande. Hop, on baisse le son, tu te lèves et tu vas dans ta chambre. Et tu reviens que quand tu seras calmée. Allez, allez, tu marches. Allez. On n'a rien arrière déjà. Là, tu te mets comme ça. Allez, hop, allez, tu avances plus vite. Tu te mets là. Tu ne reviens pas tant que tu ne seras pas calmée. Tu ne tapes pas. Toi non plus. Elle croit que j'ai peur d'elle, moi. C'est pas vrai. D'accord, donc vous avez vu ce qui s'est passé là? Oui. Est-ce que vous êtes capable de faire la même chose? Oui. Alors pourquoi vous ne le faites pas? J'ai peur qu'elle soit triste, qu'elle pleure. D'accord, donc en faisant ça, en fait, vous croyez que vous l'aidez? Parce que elle, dans sa vie future, pardon, elle ne sera pas heureuse, madame Valérie. Qu'en pensez-vous? Je vais essayer. Oui. Donc, les règles de la maison, maintenant, on va attendre que votre fille se calme et qu'elle revienne ici. Les règles de la maison, je vais vous les dire. Et ce que je viens de faire là, c'est vous qui allez devoir le faire durant une semaine tant que je suis ici. Okay. D'accord? Oui. Très bien. On va attendre qu'elle se calme. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller la voir. Vous lui parlez. Et si elle est calme, vous lui dites qu'elle peut revenir. Si elle vous parle mal ou si elle vous... Ne serait-ce qu'elle fasse juste ça, vous lui dites toute la soirée, tu la passes dans ta chambre. Tu ne reviens plus. Tu n'as plus aucune chance de revenir. Au moins, elle comprendra que tout à l'heure, elle avait la chance, elle avait le choix de revenir. Là, elle n'aura plus le choix. Donc, allez-y. Je vous attends. Bon. C'est bon, tu es calmée? Quoi calmer là? Je suis bien là. Voilà, donc tu... Laisse mon doudou tranquille. Oh, tu arrêtes. Laisse mon doudou tranquille. Diana, si tu continues comme ça, tu pourras plus sortir de ta chambre ce soir. Je m'en fiche, t'en mets pour moi. Ok, tu restes ici. Bon, elle ne veut pas. D'accord, très bien. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Tant mieux. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est donc là, toute la soirée, elle devra rester dans sa chambre. Donc, elle n'aura pas le droit au dessert, parce que vous ne lui avez pas donné tout à l'heure. Donc, elle n'aura pas le droit au dessert. Et si jamais elle vient, ne serait-ce qu'une seconde dans le salon, vous la punissez, parce qu'elle n'a pas le droit. Ok? Ok. Ça marche. Que se passe-t-il? J'arrive pas à dormir. Arrête de crier. Je veux que tu dors avec moi, j'ai peur. Non. Tout le temps tu dors avec moi, alors pourquoi ce soir tu veux pas? Parce qu'il y a les nouvelles règles. Ça change. J'ai pas les nouvelles règles. Allez. À demain. Dormir toute seule, t'es une grande fille. Allez. À demain. Merci, c'est gentil. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah, alors, comment ça s'est passé la nuit? Ah, il y a eu des pleurs. Il y a eu des pleurs? Maman, des pleurs. Donc moi, je suis liée dans ma chambre. Je n'ai rien entendu pourtant. Ah ouais, bah, vous deviez être dans un sommeil. Hein. Expliquez-moi. J'y suis allée, elle m'a dit qu'elle voulait que je dorme avec elle, j'ai dit que non. Et voilà, je suis ressortie. Ah, donc vous n'avez pas cédé? Non. C'est très bien, Valérie. Très très bien, je note.
ça me faisait mal parce qu'elle pleurait, mais j'ai réussi. C'est bien. Bravo. Là, aujourd'hui, comment ça va se passer? Là, le petit déjeuner, c'est à table. Ce n'est pas dans le canapé, c'est à table, ici. Pour ce qui est de la télé, interdiction aujourd'hui parce que hier, elle n'a pas voulu respecter ça. Donc, interdiction de télé aujourd'hui. Pour ce qui est de quand elle vous appelle par votre prénom, c'est interdiction. Maman, c'est tout ce qu'elle... C'est comme ça qu'elle peut vous appeler. Maman, c'est tout. Vous lui interdisez de vous appeler Valérie. Donc, pour le midi, vous lui donnez à manger ce que vous voulez. Pas de McDo, pas de... Voilà, vous faites à manger vous-même, comme hier. Et si elle ne veut pas manger, tant pis pour elle. D'accord ? C'est simple, c'est quand elle aura vraiment faim, elle viendra manger, d'accord? Elle ne se laissera pas mourir de faim, ne vous inquiétez pas Valérie, ça marche? Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Maman qui accepte tout, ça va être interdiction aussi. Maman, elle n'accepte pas tout. Maman, elle accepte que certaines choses dont... ce qu'elle veut en fait. Vous, des fois, vous ne voulez pas, même souvent, et vous acceptez. Interdiction. Aucune ne mange en même temps. Interdiction. On mange à table en même temps. La maman mange avec sa fille. Chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. D'accord ? Il est 10h44 et elle n'est toujours pas réveillée. C'est interdiction. Interdiction. Donc même le week-end, tout ça, les vacances scolaires, tout ça, 9h. Et puis si elle va à l'école, je pense qu'elle se réveille plus tôt encore. Voilà. Donc 9h, le réveil. Le soir, pour dormir, c'est 21h. 21h, c'est le coucher. Interdiction du portable, de la tablette, de la télé ou d'autres écrans. 21h. D'accord ? Elles sont très bonnes ces dates. Bonjour. Bonjour Diana. Bonjour. Valérie, ramène-moi mon petit déjeuner. Valérie, trouvez-moi ces 3 erreurs et corrigez-moi ces 3 erreurs. Je vous écoute et je vous regarde. Tu m'appelles pas Valérie, tu m'appelles maman. Mais je fais ce que je veux. À ce moment-là, Valérie, ce n'est pas de la faute de Diana, mais c'est de votre faute. Venez ici que je vous explique. Je vais par exemple vous demander... Valérie, donnez-moi ce téléphone. Vous n'allez pas me prendre au sérieux. Mais si je vous le dis, Valérie, donnez-moi ce téléphone. Là, vous allez plus me prendre au sérieux. On est d'accord ? Donc là, vous allez recommencer et vous allez lui parler fermement et vous la pointez du doigt. Elle n'aura pas le choix que de vous écouter. D'accord ? Allez-y et soyez ferme. C'est vous la maman, c'est vous qui décidez, Valérie. Diana, tu baisses le son. Tu baisses le son. Tu m'appelles pas Valérie, tu m'appelles maman. Compris ? Oui. Hier, t'as pas été sage, donc maintenant, aujourd'hui, t'as pas le droit à la télé. Et à partir de maintenant, tous les repas, que ce soit déjeuner, tout ce que tu veux, c'est à table avec moi. Et tu manges ce que je te fais. Allez, on va prendre le petit déjeuner. Tiens. Allez. C'est quoi? Des céréales. J'en veux pas. C'est toi qui les as prises aux courses. Je veux pas. Tu veux manger quoi? Une glace. Une glace le matin. Le matin, une glace. Écoute-moi Diana, il y a un temps pour tout, d'accord? Tu pourras manger une glace à 16h tout à l'heure au goûter. C'est pas à 15h. 16h. Non, je veux pas ça, je veux une glace. Tu manges ça? Non. Je suis gentille avec toi, je te demande gentiment de manger ça. Non.
tu manges ça. Il n'y aura pas autre chose. Donc tu n'as pas le choix. Non. Si. Non. Si. Sinon, cette petite poupée, elle va directement à la poubelle. De toute façon, j'en ai plein comme ça. Oui, bah tous tes jouets iront à la poubelle. Oui, tu manges ça. Tu les as pris aux courses, maman, elle a dit que tu les avais pris. Donc tu en manges. Et tu n'auras pas cette poupée tant que tu n'auras pas fini ton bol. Vous voyez ça, vous devez avoir la même méthode de travail. C'est-à-dire que si elle tient quelque chose, par exemple elle tient cette poupée, vous devez lui mettre un dilemme. Ou tu manges ça, ou tu n'auras pas ça. Ou tu fais ça, ou tu n'auras pas ça. Au début, ça va être que ça. C'est comme ça. En fait, il faut négocier avec l'enfant. Après, plus tard, dès qu'elle comprendra, il n'y aura plus besoin de faire tout ça. Vous lui direz, ne mange ça, elle le mangera. D'accord? Bon, Annie, j'ai fini, je veux ma poupée maintenant. Tenez, je vous laisse lui donner. Ouais. Et on dit quoi? Et on dit quoi à maman? Vous dites quoi? Et on dit quoi à maman? Vu qu'elle t'a donné la poupée, on dit quoi à maman? Merci pour ça. Et merci aussi pour la poupée. Je ne veux pas dire merci pour la poupée, c'est vous qui me l'avez pris. Merci maman. Et vous lui répondez aussi. De rien. Et arrêtez d'être comme ça. J'ai l'impression que vous êtes pas trop dedans. Vous y croyez pas, Valérie? Si. Non, vous êtes trop en mode je m'en foutiste. Ne soyez pas comme ça. D'accord? Qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 mais c'est n'importe quoi ça! On t'achète des jouets pour faire ça? Oh là là! C'est bon, confisqué. Papa! Je te tais! Ma poupée! T'es puni. Allez, lève-toi là. Allez. Ma poupée! Tu arrêtes? Ma poupée! Bon, allez, t'es puni. Tu es puni, tu comprends? C'est pas possible ça! Allez, lève-toi! Hop, je te mets au coin. Ici, et tu bouges plus. Très bien. Je t'entends plus. Hein. C'est bon. Si t'es calmé, tu reviens et tu demandes pardon à maman. Sinon, si t'es pas prête à ça, tu ne reviens pas. Voilà. Tu arraches pas les feuilles, Diana. Bon, allez. Tant pis. Tu te mets ici. Voilà. Ouais, tu restes ici. Non? Tu restes ici. Comme tu ça. Tu ne touches à rien. Comme ça. Tu touches à un truc de toucher, un jouet de perdu. Voilà. Maman, je veux demander pardon. Tu m'excuses. Tu vas arrêter d'être méchante? Oui. Ok, viens. Comment ça? Diana, tu viens? Je veux te parler 2 minutes. Écoute. Tu sais, pour maman, c'est pas du tout facile en ce moment. D'accord? Donc, si tu l'aides pas, là, elle est dans l'eau. Tu vois, ta maman, c'est comme si elle était dans l'eau. Si tu l'aides pas, elle va aller sous l'eau. D'accord? Donc là, ce que toi, tu dois faire, c'est aider ta maman. Et comment tu peux l'aider? C'est en l'écoutant et en respectant ce qu'elle te demande. D'accord? D'accord. Et ce sera pareil pour papa. D'accord. Tu aimerais que maman elle soit comme toi tu es avec elle, avec toi? Tu aimerais qu'elle te crie dessus, que dès que tu lui fais un dessin, elle le jette, elle s'en fout? Elle soit méchante avec toi. C'est bien d'être une enfant comme ça? Tu aimerais que toi, tes enfants, ils soient pareils avec toi? Ben alors voilà. Alors on se met à la place de l'autre personne à chaque fois. D'accord? On se met toujours à la place de l'autre. Et on se dit, est-ce que si quelqu'un me fait ça à moi, comment je serai? Comment je le prendrai? Fais un câlin, Madiana.
Et tu me promets d'être plus méchante et d'être une gentille petite fille? Bon, moi ma mission elle est terminée. Je vais vous laisser en famille, profiter de votre nouvelle vie. Je m'en vais. Merci. Merci. Au revoir. Super mamie. Au revoir, à bientôt. Bien, non. Ah ben non, j'espère pas à bientôt. C'est parce que si je reviens, c'est parce que tu as été méchante. Ah oui. Mais à bientôt au téléphone. Je vous appellerai. Ah. Au revoir. Alors, on regarde un film. Oui, demoiselle du téléphone. Regarde Heidi. Oui. Heidi, allez, c'est parti. On va me mettre ça à la télé. D'accord. Maman, je t'aime.